Odogu. Hé hey Solo, qu'est-ce qui ne va pas? Viens. Tu n'entends pas. Je vais te faire entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Solo? Solo, calme-toi. Calme-toi, Solo. Samuel. Samuel, je reviens. Hein? Je vois plus tard. Tu n'écoutes pas. Le mec, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Je vais tout arranger. Ok? Réjouissez-vous très bien. D'accord? Oui, ça va. Sunday. Sunday, messieurs. Viens ici. Messieurs, pourquoi tu as frappé la chèvre? Pourquoi tu as frappé la chèvre? Je te parle, pourquoi tu as frappé la chèvre? Hein? J'ai dit pourquoi tu as frappé cette chèvre? Combien de fois j'ai été prévenu? Combien de fois? Hein, Sunday? Si tu l'as jamais su, cette chèvre a plus de valeur que toi. La prochaine fois. La prochaine fois que tu poseras tes petits doigts sur cette chèvre. Tu connais déjà la sentence. Je veux te tuer. Vois rien. Pose encore ta main sur elle. Bêtise. Mais comment as-tu su que j'ai frappé la chèvre? Toi aussi, la chèvre a-t-elle mangé ta nourriture? Pourquoi tu l'as frappé? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu vas me tuer avec cette belle musique? Anne Manoukou. Yeah. Angelina. Angelina. Angé. Ikoukou. Angelina, pardon, cours vite avec des bouteilles. Laisse-moi commencer par là. Ah, tu as dit commencer. Ah ah. Ikoukou. Kouboacha. Ikoukou. Ikoukou, pardon. Je te supplie. Au nom de Dieu. Eh? Pardon. Si tu n'as pas l'argent, il serait mieux que tu rentres chez toi à la maison. Karonoba. Bah, je toujours crié pour que tu me donnes un argent. Angelina, chaque jour tu ne cesses de parler de l'argent, 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 l'argent. C'est comme si cet argent avait commencé à te contrôler ou la racine de la méchanceté. Mais je ne te blâme pas. Ceci vient de notre pays. Ceux qui ont déjà bu une fois feront voir les autres. Oh. Va à l'intérieur et amène-moi voir. Laisse-moi continuer là où je me suis stoppé. Oh, va lui prendre à voir. Je te l'amène. Mais donne-moi mon argent sans problème. Va me les prendre. Ok. Les coucou, là, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Vous avez vu ça qu'elle m'a fait? Pourquoi tu restes debout, assieds-toi? Vous savez, très bientôt maintenant, à chaque fois que tu joueras cette fuite, je vais t'acheter une bouteille. Je te le dis. Hé, coucou. Hein? Tu vas me tuer. Regarde. Regardez, il y a une chose qui commence à me faire la confusion. Oh. C'est quoi ça encore? Vous savez, celui-là qui était venu, c'est plaindre à propos. Hein, ses yeux. Qui l'ont volé ses yeux. Et vous savez, vous êtes suspecté. Parce qu'à chaque fois. Ikoukou. À chaque fois que vous y passez. Ikoukou. Les yeux commencent à disparaître. Ikoukou. Ikoukou, tu es fou. Tu es très très stupide. Arrêtez de voler les yeux. Ikoukou. À la place de le faire comme ça. Ikoukou. Plus tard, plus tard. Laisse-moi commencer avec cette bouteille particulière. Avant qu'elle. Elle amène ta propre bouteille, non? Maman. Il m'a appelé. Et j'ai laissé tout ce que je faisais. C'est quoi le mal qui t'est arrivé? Hein?
Ton fils t'a envoyé beaucoup d'argent et tu es là à te plaindre. Pourquoi? Abogali, ma fille. Ma. L'année dernière, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que réfléchir sur toutes les choses. Comment? Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Comment? Ça fait déjà 3 mois que ton frère a quitté la cité. Et puis, du coup, il a beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent, il est gay de l'argent? Ah, maman! Samuel est maintenant un grand homme d'affaires. Il vend les voitures. N'est-il pas un dealer de voitures? C'est ça exactement le problème. Oh, diable, penses-tu commencer une affaire de vente de véhicules peut commencer avec un rien? Non! Ça demande vraiment un fonds important. Maman, je lui ai déjà demandé. Et il a dit que c'était son ami, qu'il a connecté à un grand homme. C'est lui qui lui a donné tous ses véhicules. Alors, relax. Ouais. Ok. Pas de problème. Et il m'a dit que, souviens-toi, il vit à la cité. Les habitants de la cité s'entraident, pas comme ceux du village. Alors arrête de te déranger, ok? Je t'ai écouté, ma fille. Alors, quelle était la dernière fois que tu as parlé avec lui? C'était avant-hier. Il a dit qu'il viendra à la maison bientôt. Pas de problème. Dans ce cas, je pense que tu as besoin d'argent, hein? Va dans la maison, prends cet argent, c'est encore intact. Je n'en ai pas besoin. Ah, maman, pourquoi? Il m'a déjà envoyé l'argent. Tu veux dire, Samuel, t'envoie aussi de l'argent? Oui, maman. Maman, relax, hein? Relax! Rien ne va se passer, calme-toi, rien ne va se passer. C'est bon. Oncle Eze. Oncle Eze. Hein? Qui? Je suis là. Oh, Marie. Oncle. Comment tu vas? Ça va. Tu es la bienvenue. Merci. Pardon, assieds-toi. Oh. Sois la bienvenue. Merci. Oncle, tu m'as fait appeler. Oui. Marie. Oncle. Tu veux savoir pourquoi je t'ai appelé ici? Oui. C'est à propos de Salomon, ton frère. Il y a un problème, oncle. Il est grand temps qu'il commence à nous dire quand est-ce que c'est marié. Il n'est plus un enfant maintenant. Salomon, c'est maintenant un grand garçon. Oncle. T'as-tu dit quelque chose à propos? Non. J'étais aussi concernée par rapport à ça. J'ai pensé d'ailleurs venir vous parler de ça, oncle. Heureusement que nous sommes dans le même diapason. Alors, comment on peut s'y prendre à propos de ça? Peu importe quand il viendra, dis-lui de passer me voir. Ok, oncle. S'il n'est pas d'anaf. Je suis celui qui doit demander si quelque chose ne va pas chez lui. Oui, exactement, qu'il vienne me voir. Ok? Tout sera bien. Oui, je ferai ça. Oh, c'est le qui ne boit. Il ne peut pas continuer à obéir boy. Comme un garçon, toujours comme un garçon. Oui. Hein? Oh, j'avais même oublié qu'on a même élevé de n'importe quoi dans ce village. Tous ces garçons qui n'ont aucun travail, tout ce qu'ils font, ils devraient leur faire. Et les mettre par-ci par-là. Ils t'ont donné cette charge. Je ne te blâme pas. Oh. Et Coucou, c'est quoi ton problème? Hein? Mon problème, c'est ce ventre qui est gonflé. Tu es là me demandant, mais
J'aurais même appris que c'est ton pasteur qui a pu te faire cette chose. Est-ce que c'était dans l'église ou en dehors de l'église? Je peux voir que ta tête ne tourne pas à rond cet après-midi. Je n'ai pas le temps pour toi du tout. Ma bouche peut me déranger, oh. Toi, tu ne sais même pas. Qu'est-ce qui te dérange, toi aussi? Tous ces enfants inutiles. Quand il faut vous envoyer pour aller faire quelque chose, tout ce que vous faites, c'est faire des scénettes à gauche, à droite. Ça, c'est l'évidence. Ils ont monté un scénario dans ton ventre. Je ne te blâme pas. Et si tu veux, tu peux rentrer qu'ils te donnent une deuxième montagne. Ma beauté ne m'abandonnera pas. Salomon, oncle Zé. Comment est-ce que tu es rentré sans que je ne sache? Regarde. C'est pourquoi tu viens ici sans pourtant me voir. Y a-t-il un problème? Désolé. Vous voyez. Tu sais, je dois faire des visites par-ci, par-là. Solo ici, solo là-bas. Toutefois, je suis désolé, j'avais le plan de passer te voir aujourd'hui. Peu importe. Vraiment? Oui. Dans ce cas, laisse-moi m'en aller. Pardon, viens, je t'attendrai. C'est bon. C'est bon, ne t'inquiète pas pour ça. Et comment va ta soeur? Elle sait que tu es rentré. Oh. J'ai parlé avec son mari hier. Ils savent que je suis ici. Ah. Oui. Laisse-moi partir. Pardon, viens, il y a quelque chose d'important que nous devons discuter. Okay. Nous devons parler en face. Je serai là, hein? Je viendrai. Tu es maintenant un grand homme oncle, solo. Oncle, j'ai péché cette chose que tu es. Hey. J'ai touché à ce que tu es. Viens dans ma maison avec tout ça comme ça, on va en parler là-bas. On en finit là-bas. J'arrive. Laisse-moi partir. Très bien. Prends soin de toi. Très bien. Solo, je t'enverrai dans paix. Solo, pardon, viens, je t'attends. Qui est en train de me déranger comme ça? Oui, chauffeur. Où est-ce que tu es depuis que je t'attendais? Je dois répondre à mon rendez-vous maintenant. Très bien. Bonjour, monsieur. Attends, une minute. Tu me sembles familier. Es-tu de ce village? Oui. La fille de Naï, Mazonkoko. Oh. Mazonkoko. Celui qui est resté le brave de ce village. Oui, monsieur. Es-tu sérieuse? Comment il va? Il va bien, monsieur. Oh, mon Dieu. Je viendrai voir au reste de ton père. Vous êtes sérieux? Ouais, bien, je suis actuellement venu pour jeter un coup d'œil à ma propriété. Je suis en train de vouloir mettre une pancarte ici, alors. Ça, c'est bien. Oh, oui, bien. Oh, tu es vraiment belle. Merci, monsieur. Hein? Oh, bien, dans ce cas, donne-moi ton numéro, je vais parler avec toi plus tard. Est-ce que ça peut aller? Un instant. Oh, je suis là. Alors, passe-moi ton numéro, pardon. 008. 008 30 41 200 500 Oui, je crois que c'est bien noté. Laisse-moi voir. Oui, c'est ça. Ok, très bien, on parle plus tard. Ok, monsieur. Justement, prends soin de toi. Ok. Et si tu veux mon nom, je suis Solo Cash. Solo l'argentin liquide. Ok, toi, mon nom est Sandra. Ok, c'est bon, bonne année. C'est bon, monsieur. Sois sage, ok? C'est bon, monsieur. Bye bye. Ça, c'est ce qui s'est passé. Tu sais, le cœur du lion émane de son père. Ça, ce n'est que le commencement, n'est-ce pas? Mais comment ça sera après les années? Il est vraiment amusant, confrère. Je le pense. Quoi qu'il en soit. Oh mon Dieu. Salomon, oncle. J'allais venir à la cité pour ces mêmes raisons. Merci à Dieu, tu es là. Ok. Notre peuple dit que quand il y a la lumière du jour, il faut profiter. Quand la nuit viendra, tout sombre. Salomon, tu n'es plus un petit garçon.
il est temps que tu te maries. Et commencer à nous donner des enfants. Ah ah. C'est comme si tu grandissais encore. Maintenant, il faut chercher une femme. Salomon, tu devras te marier. Ça, c'est très très sérieux. Tu dois te marier. Écoute, il y a beaucoup de jolies filles qui sont dans ce village. Et même dans les villages voisins. Justement, trouve In. Et laisse-moi la charge. Hein? Va pêcher In. Je vais faire la cérémonie traditionnelle. Je vais appliquer la coutume. Je ferai n'importe quoi. Même la nuit des noces, je le ferai pour toi. Je suis ton oncle. Va même dans les villages d'à côté. Hein? Qu'est-ce que tu attends encore? Oncle. Tu as tout. Oncle. Lundi. Je t'ai écouté. En fait, je suis déjà prêt. Hein? Croyez-moi. Et dans un temps record. C'est que tu sais, Fiona. Tu seras grand-père. Je suis maintenant très très content. Salomon, tu vois, je dis ceci parce que ça, si tu pouvais donner à ta soeur, c'est que tu allais lui dire des conseils. Mais maintenant, je te crois. Comme tu l'as dit, je suis content. Pardon, mais Kongbangba. C'est déjà bon. Hein? À ce point, il n'y a pas de problème. Hein? Tu sais, Salomon. Ne fais pas les jeux d'enfant. Hey. Je ne joue pas comme un enfant. Si je veux faire quelque chose. Obiango. Obinaya. Frère. Je veux pousser le pire. Ça va être sans problème. Je ne sais même pas si tu comprends ce que j'ai dit. Je veux dire, à propos de ce mariage, tu n'as qu'oublié ça. Je vous donne ma parole. D'ici, tout sera prêt. Hein? Tout que vous le pensez. Pardon, je te demande pardon. Le temps n'attend personne. Hein, Salomon. Pas de quoi. Hein? Ça, c'est pas de problème. Quand tu dis que tu te prépares pour ça, nous te croyons. N'est-ce pas, oncle? Je l'ai dit. C'est pour ça que nous sommes là. En fait, ça, c'est vraiment ma joie. Mon grand frère. Je suis content. Je le ferai. Donne ce qu'on a maintenant à l'oncle. Dieu, je t'ai dit merci. Mon oncle, hein? Avant que je n'arrive ici, je te disais que j'avais quelque chose pour toi. C'est ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce n'est rien du tout par rapport à ce que tu auras. Dieu, je te remercie pour ceci. Achète même du savon. Hein? Je ne sais pas dire rien. Je suis mort. Ewo. Prends. Je l'avais dit. Salomon. Tchaï. Voyons. Ces petits mes gâteaux. Vous êtes sous ma responsabilité. Salomon. Je demande au Dieu des ancêtres. Je les reçois. Que bénisse le travail de tes mains. Que ça Amen. Soit. Partout que tu vas partir, tu arriveras, tu vas rentrer. Amen. Dieu te donnera plus de bénédictions. Amen. C'est ça. Au nom de Jésus. Amen. Les méchants ne te verront jamais. Amen. Que ce soit Amen. Les hommes ou les femmes, je ferme leurs yeux. Hein? Dieu continuera à te donner assez. Je les reçois. Regarde. La vérité, c'est que je suis intéressé par toi. Je vais faire de toi ma femme. Mais tu sais, je dois confesser. Tu es tombé sur le genre des beaux hommes qui sont élégants en tout. Fais-moi voir ton sourire, tu es sexuellement très belle. Merci. Qu'est-ce que tu me dis concernant ma demande? Je vous promets d'y penser. Tu vas penser à propos de ça. Alors, quand est-ce que je pourrais penser avoir ta réponse? Je vais t'appeler. Tu vas m'appeler. Ok, très bien, je vais être là attendant ta réponse. Ok. N'oublie pas. Peut-être que ça sera une très bonne réponse. Ça me fera la joie. Très bien, je vais attendre ton appel. Thank you.
Attends, arrête ce véhicule. Hein? Ikuku. Hein, non. Donc tu es rentré dans ce village et tu ne l'as dit à personne. Nakulini. Ikuku, est-ce que tu vas comme ça? Bien, comme tu es en train de me voir maintenant, je dois aller dans ma maison pour changer mes habits. Parce que je dois aller au bar d'Angelina plus tard la journée. Au bar d'Angelina? Exactement. Ok, dans ce cas, certainement tu auras là-bas pour boire. Hein? On sait si tu vas prendre quelque chose. Tu veux me remplacer à une chèvre? Alors, ça, ce sont tes plans. Tu veux m'utiliser au rituel d'argent? Je ne prendrai pas ça. Oh. Akuleni, je ne prendrai pas ça. Regarde, mon ami, si tu es en train de jouer, arrête avec ça. Tu n'es pas fou. Sais-tu de quoi tu parles? Akuleni? Hein? Tu es capable de tuer une personne à la place de la chèvre? Alors, je ne prendrai pas ça. Je m'en vais. Laisse-moi partir. Voyez-moi ce type. Oh. Je veux faire passer les gens avec ton argent. Je ne prendrai pas ton argent avec ça. Pour manger les gens, tu es pressé de donner. Va avec ton argent le donner à quelqu'un d'autre. Tu vois ma tête, il serait difficile d'être prise par qui que ce soit. Angelina! Je suis très contente, ma Angelina, je suis très contente. Je ne peux pas imaginer. Regarde ça! C'est qui cet homme heureux? Je t'avais parlé, non? Tu as oublié. C'est le monde, je crois. Oui, c'est lui-même. Es-tu sérieuse? Plus que sérieuse, tu sais quoi? Cette histoire avait commencé comme des blé, 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 blé. Et maintenant, c'est sérieux. Tu es heureuse, mon ami. Merci beaucoup. Angelina, tu sais pourquoi je suis contente maintenant? Quoi? Oh, pardon, Salomon était très bien habillé. Je sens comme si je suis en train de rêver. Angelina, oh, réveille-moi. C'est du réel. Je suis contente maintenant. Je suis contente pour Regarde toi. Ça. C'est bien. Oh, babe, c'est très joli. J'ai ton fils. T'inquiète pas, tu n'as pas besoin de me jalouser. Ton homme viendra. J'espère bien. Ton homme viendra. Allons, va célébrer. Allons, oui. Va célébrer. Oh, gay. Oh, gay. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu crois? Il lui a donné la bague. Qui a donné qui a donné? Salomon a donné la bague à Sandra. Non. Non, hey. non, c'est pas vrai. Elle a porté cette bague comme je suis en train de te parler maintenant. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Aïe, aïe, mon prince charmant. Aïe, oh. Cette folle lui a fait quelque chose sûrement. Exactement. Elle a fait quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est quoi la chose qu'elle a faite que moi je ne saurais pas faire? Il a pris le prince charmant, tu ne comprends pas ça? Mais... Arrête de crier comme ça sur mon visage. Ok. Je ne le crois pas. Non. Non, on ne peut pas me faire comme ça, cette fille. On ne peut pas me faire ça. Jésus. Non, je ne te crois pas, tu sais. Je fais quelque chose vite. Très vite. Très, très vite. J'espère que tu as dit qu'elle était à la maison. Mais je l'avais vue un moment ici. Elle n'est pas là. Frappe! Sandra, oh, tu es à la maison. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, tu m'étonnes. Nous sommes venus. Nous sommes venus te chercher. Pourquoi donc? J'étais en train de passer. Est-ce que nous ne sommes pas des amis? Hein, Sandra, ne sommes-nous plus des amis? Mon ami, allons-y. Allons-y. Thank you.
ça c'est vrai. Dieu ne pardonnera jamais cette fille. Avant, c'était Samuel. Elle me l'a ôté seulement comme ça. Elle s'est accaparée de mes pas. Et maintenant, c'est mon prince charmant. Non, je ne vais pas laisser ça. Mais calme-toi, hein? Calme-toi. Ah, les filles. Sandra a provoqué la tigresse. Elle va me sentir. Chaque jour a ses peines. Aujourd'hui, c'est ce jour. Ferme ta bouche! Hein? Qui est-ce qui va avoir peur de vous? Hein? Ne commence même pas parce que tu ne sais jamais. Ne commence pas parce que tu ne sais jamais, oh! Allez, écoute-moi! Avant, c'était Samuel. Et maintenant, mon prince charmant. Hein? Tu me veux de problème? Honte à toi! Allez, reviens ici! Maman, laisse-moi tranquille! Montre-lui! Tape-la! Laisse-moi tranquille! On va te montrer aujourd'hui! C'est quoi le problème? Angelina, je ne vais pas laisser ces filles comme ça. Je jure sur ma vie, je ne vais pas laisser ces filles comme ça. Regarde ce qu'elles m'ont fait juste à cause de la bague que Salomon m'a donnée. Est-elle une chienne? Ces filles sont des vauriens désespérés. Dieu, tu as dit à Salomon. Pourquoi donc? Pourquoi pas? Non, je ne vais pas mêler Salomon à tout ça. Je ne veux pas. C'est une bataille entre filles. Tu penses bien? Oui, je vais en finir avec. Je suis derrière elle. Après ça, je vais retourner vers elle. Elles vont payer pour ça. Ces filles. Bien. Ok, tu sais, ne t'inquiète pas pour ça. Allons d'abord à la maison. Elles ne me connaissent pas. Je vais prendre cette bague et la plaquer dans l'air. Pardon, calme-toi. On doit faire quelque chose à propos de ça. Ces filles, vraiment, comment peuvent-elles être bizarres comme ça? Mon ami, Ikoko, ici tu es pressé encore. Je crois que tu n'as pas aimé quelqu'un d'autre dans ce village. Ikoko, je te demande pardon. Comme tu peux voir, je suis pressé. Je n'aurai pas le temps pour tes jeux. Hein? Ok. Mais qui joue avec toi? Regarde, à chaque fois que tu es pressé comme ça, tu finis toujours par écarter les jambes des filles de ce village. Je veux te dire, laisse ces petites filles qui sont dans ce vide. Allez, vite, mais laisse-moi parler, tu n'es pas fou. Un homme est supposé avoir sa boussole qui lui montre la direction. Mais toi, tu as laissé ta boussole derrière. Ça, c'est pourquoi tu causes toutes ces calamités dans ce village. Ikoko, si quelqu'un pouvait écouter ces choses que tu parles sur moi, je vais te couper ce qui te fait parler. Ah, qui te va là-bas? Idiot. Regarde, laisse-moi te dire, dans le cas où tu ne le sais pas, tu as été discrédité depuis ton enfance. Est-ce que je peux même te blâmer? Ton père est mort en voulant faire avorter une femme enceinte. Cette tragédie est en train de suivre votre famille. C'est inutile. En fait, je vais dire à papa de te stopper pour que tu ne sortes pas dans cette terre. Tu ne fais qu'engrosser les enfants dans ce village. Animal. Où est ma direction que je devais prendre? Je vais me diriger dans cette direction. Mec, où es-tu? Je suis de retour. Ouh, Samy, mon mec, tu es là. Comment tu vas, mec? Je veux bien, je suis là, mec, je suis là. Qu'est-ce qui t'a pris si long? Comment était le voyage, mec? Le voyage s'est très bien passé. Tu sais,
J'étais censé rentrer depuis la semaine passée. Mais tu sais qui je suis. Je devais un peu traîner pour le business, tu sais. L'argent en carton. comment se porte le business? Bien comme d'habitude, mec. Juliette était venue ici, elle te cherchait. Juliette, ouais. Que voulait-elle? Elle n'est pas fatiguée? Mec, je veux savoir quels sont tes plans pour cette fille. Des plans? Je n'ai aucun plan pour cette fille. Tout ce qu'elle veut de moi, c'est l'argent. Moi, je veux du sexe. Alors, je donne l'argent, elle me donne du sexe, c'est tout. Elle, regarde, mon cher, tu veux dire, après tout ce qui s'est passé? Mon frère, je viens de découvrir que je n'ai aucune chose à faire avec cette fille encore. Et dis-moi, c'est qui cette fille chanceuse, je te demandais, dont tu ne veux pas me parler tout ce temps et à qui tu es en train de penser? Tu sais très bien qui est impliqué et qui je dois faire ma vie. Sandra, qui d'autre? Bien sûr que c'est elle. Cette fille, je l'aime. Cette fille est ma vie. Je ne peux rien sans elle. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est bon, ça va. On en a assez parlé. J'ai vraiment faim. Oh, il y a quelque chose à manger, t'en fais pas. Allons à la table. Allons manger. Oh. Oh mec, tu sais, cette ville m'a vraiment manqué. Ah. Oh ouais, bienvenue alors mon cher. Oh mec, comment tu trouves cette photo? Quand tu laisses l'argent en carton, c'est bien moi mec. Tu as raison, oh. Tu sais, je pense faire un voyage d'affaires aux États-Unis la semaine prochaine. Et pour combien de temps? Bien, hein, tout dépendra de la disponibilité de la marchandise pour laquelle je vais. Tu sais, si ça traîne, je vais aussi traîner. D'accord, hein, essaie de visiter Texas. C'est une très belle ville. C'est vrai? Ok. Je vais y arriver. Mais ça veut dire quoi tout ça? C'est éteint. C'est pendant qu'il y a du courant. Mon Dieu! Oh mec! Samuel! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Où est Salomon? Il est parti au village. Il est parti au village. Yann, ça ne va pas. Yann, ça ne va pas. Je dois l'appeler. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit appeler Salomon. Voilà. On est foutu. Mon Dieu, nous sommes foutus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mec, fais vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne passe pas. Tu appelles Solo? Oui, mec. Mais ça ne passe pas. J'espère que tu n'as rien oublié. Non, tout est bien. Tu es sûr? Ouais. D'accord, allons-y. Allons-y, mec. Asseyez-vous! J'ai dit asseyez-vous! Grand prêtre, nous avons reçu ton message hier. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Dis-nous ce qu'on a à faire. Vous avez trouvé le chemin, mais vous ne l'avez pas gardé. Vous avez oublié vos promesses à la déesse de la richesse. Vous étiez supposé venir
avec vos successeurs. Au moins une personne à chacun. Grand prêtre, nous n'avons pas oublié. Grand prêtre, nous n'avons pas oublié du tout. Mais pourquoi ça doit prendre du temps? Pourquoi ça traîne? Sept jours. Je veux dire sept jours. Sinon... Nous allons tout faire pour remplir notre part de responsabilité. Comme tu l'as instruit, dans les sept jours qui viennent, nous allons faire de notre mieux pour vivre avec quelqu'un. Grand prêtre. Obéissance, mon Seigneur. Comme j'étais en train de le dire, je reviens de chez elle maintenant. Mais la porte était cadenassée. Alors je me suis décidé de venir ici te voir si tu sais là où elle peut être allée. Je ne sais pas franchement comment me prendre à ça. Après que ta fiancée l'a interdit de ne plus t'appeler, toutes ces choses l'avaient vraiment troublée. Jusqu'à ce que les choses aient tourné à sa faveur. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je lui ai dit que j'ai une fiancée quelque part? Oui, tu m'as bien entendu. Comment tu peux faire ça à une fille qui t'a vraiment tout donné? Hein? Tu l'as abandonnée pour une autre fille. J'ai mis une autre fille. Tu as dit je l'ai abandonnée? N'est-ce pas ta fiancée répondait qu'elle t'a appelé autre fois au téléphone? Quoi? Oh, baby, tu es là. Oh non, je ne parlais à personne. Juste, tu me manques. Je t'ai beaucoup manqué. Ah, oui, tu me manquais seulement. Ah, ok, relaxe-toi. Je vais aller à la cuisine faire quelque chose pour toi. Ok. D'accord, elle est où maintenant? Bien, c'est une longue histoire. Alors essaie d'être courte. Elle est partie pour la cité pas tard qu'hier. Elle était engagée il y a deux jours passés, à Solomon Akuri. Et qui l'a amenée à la cité? Salomon, s'est engagé avec ma fiancée. D'accord. Samuel, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas vite comme ça? Maman, j'ai reçu un appel d'urgence. Je rentre à la cité. Tu sais quoi? C'est tellement urgent que tu peux même pas attendre pour manger. Maman, s'il te plaît, prends ça. Je pense que ça va être suffisant pour tes petits besoins. On va se voir prochainement. Je rentre à la cité. Samuel! Maman? Nawao, ça c'est très urgent. Est étrange. Il ne peut même pas attendre une minute. Salomon! Salomon! Salomon!